Warning, this film and its soundtrack are protected by the international copyright law of the Federal Republic of Nigeria. Unauthorized hiring, reproduction, exhibiting, broadcasting and exportation of this home video is highly prohibited. Be warned. Bienvenue. Merci, Votre Majesté. Alors, ta fille, tu n'es pas venue avec elle aujourd'hui? Non, Votre Majesté, elle sera là demain. Ok, ok, ça c'est bien. S'il te plaît, continue avec le bon travail que tu fais. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, j'aimerais que vous me promettiez une chose. Promettez que vous allez vous porter bien. Vous allez vous porter bien pour moi et pour le village entier, Votre Majesté. J'irai bien, Odoego. J'irai bien, je te promets. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, laissez-moi jouer pour vous. Laissez-moi vous divertir. Ok, vas-y. Merci, Votre Majesté. Tu sais, j'aime beaucoup écouter ta voix angélique. C'est un honneur pour moi, Votre Majesté. Bialuwa no buku boyanaka Onye sibite ya butu ya noku Makogele kwako mbwegu mugebido Nokwa chimoku Igwa badani okwa chimoku Nokwa chimoku Igwa badani okwa chimoku Okwa chimoku Igwe ni gadia, igwe bonanya sim ni gadia. Igwe ni gadia, pekem ya, awa monoba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, yo. Igwe ni gadia, igwe bonanya sim ni gadia. Igwe ni gadia, pekem ya, awa oba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, awa monoba. Pekem ya, yo. Thank you.
tu as fini? Ouais, mon prince. Okay. Le roi s'est endormi. Mon prince. Oui. Je conseillerais que vous lui donniez ses médicaments lorsqu'il se sera réveillé. Et il doit être nourri proprement. Oh, je crois qu'il y a un chef des employés par qui tu es censé passer pour prodiguer conseil. Pas moi. Oui, mon prince. Ok, une photo. A plus alors, mon prince. Ah, papa, tu es de retour? Ouais, je t'attendais au palais. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je n'étais pas rentrée si vite après le marché. Et à mon arrivée, rien n'était encore prêt. Mmh. Alors, je devais me rassurer avant de sortir. Ok. Le roi s'est endormi. Donc, ce sera demain. Ok. Mais cette fois-ci, c'est ton tour. D'accord, papa. Je t'apporte ta nourriture. D'accord. Papa, t'inquiète, je vais le faire moi-même. Okay. Approche. Viens. Es-tu stupide? Pourquoi as-tu mis du temps pour m'ouvrir le portail? Tu n'avais pas entendu le klaxon? Pardonnez-moi, madame. Tu es viré. Bâtard. Fou. Yo, ma coque le quaco, mbeku mugebida, nokwachimoku, igwa bodani, okwachimoku, okwachimoku, igwe niga dia. Mon roi. Pendant combien de temps me suis-je endormi? Mon roi, je ne sais vraiment pas. À mon arrivée, je vous ai trouvé en train de dormir. Alors je m'étais décidé de vous réveiller. Comment va ton père? Il va bien. D'ailleurs, il vous a envoyé ses salutations. Je t'en prie. Allez, mon roi. Vous me faites toujours sentir comme si j'étais une étrangère. J'appartiens à ces palais. Oui, ma chère, tu appartiens à ces palais. Alors, dites-moi, je n'ai pas vu le prince. Est-ce qu'il est là? Mmh. Le prince. Mon roi. Allez bien. Mon roi. S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau. Okay. Garde! Servante! Garde! Mon roi. Garde! Désolé. Garde!
Servante? Servante! Mon roi? Mon roi? Ils sont tués. Mon roi? Mon roi? Niamasi, si Ada. C'est très douloureux. Mon prince, soyez fort. Désolé. Mon prince, sois fort. Est-ce qu'ils sont là? Le pire est arrivé. Va-t'en. Est-ce qu'ils sont là? Hein? Où est Igwe? Il n'y a personne qui peut me répondre. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Il a voyagé? Hein? Ekuwa wuli, ekuwa ma, nyaka.
suis bien. Oh, je suis tellement fier de toi, ma chère. Tu as tellement beaucoup appris auprès de ton père. Merci beaucoup, mon roi. Je suis content de votre appréciation. Pour la première fois, j'ai aimé ta voix plus que celle de ton père. Tu es tellement talentueuse et je suis content pour ça. Tu sais, parfois, j'aurais voulu que tu sois promis à mon fils. Hey, mon fils. Mon prince. Salut, comment vas-tu? S'il te plaît, mets-toi. Et apprécie cette voix angélique et cette musique douce. D'accord. Mais ce n'est pas son père qui venait jouer pour toi ici. Oui, mais il a réussi à lui apprendre aussi. Et elle performe mieux que son père. Ça c'est bien, c'est bien. Mais je ne suis pas d'humeur pour écouter de la musique maintenant. J'aimerais monter dans ma chambre et me reposer un peu. Igwe ni gadio, Igwe ni gadio, Igwe bodanya sim ni gadio, Igwe ni gadio, Pekem pekem ya, Awa oba, Pekem pekem ya, Awa monoba, Pekem pekem ya, Yo.
Mon prince, je dois te l'avouer, tu es exceptionnel. Tu es vraiment talentueuse. Et tu m'as vraiment rendu heureux aujourd'hui. Le plaisir est le mien, mon prince. Et je suis contente que vous ayez apprécié. Oh oui, j'ai été fasciné. Et je suis toujours très heureux. J'espère te voir plus souvent dans le palais. Bien sûr, mon prince. Je serai toujours à votre service. Ma vie est pour vous faire plaisir. Ça va, ok? Tu peux partir, d'accord? Ok, mon prince. Prends soin de toi, ma chère. Merci. D'accord, mon prince. Mon roi, mon prince. Oh, mon père a voyagé à Enugu pour un programme. Il va revenir demain. Désolé pour mon retard. Je ne me sentais pas vraiment très bien. Oh, tu es malade. Tu aurais dû envoyer un message que tu ne seras pas en mesure de venir. Mon roi, pas lorsque vous avez besoin de moi. Je sais que quand vous le faites, vous avez réellement besoin de moi. Mon roi, je ne sais pas ce qui vous dérange, mais peu importe ce que c'est, la musique peut bien le finir. Ça peut très bien l'enlever, si seulement vous le désirez. Fermez juste vos yeux. Libérez vos pensées et laissez que la musique pénètre votre tête. Ah, merci mon prince. Thank you.
small, this small, but very big for everybody. This small, this small, but very big for everybody to live. Kuchi, kuchi, mama, namu. Tu sais, tu dois vraiment faire l'effort de te calmer. Je n'avais jamais su que son état était aussi critique et que tu n'avais pas conduit à l'hôpital. Mais à quoi servent tous ces gardes ainsi que le servante? Je m'étais mise à crier comme une folle pour qu'ils apportent un verre d'eau. Mais tu imagines cela? C'est très mauvais. Quoi? Tu veux dire que mon père a exigé un verre d'eau avant de mourir? Oui, il l'avait demandé. J'étais là avec lui quand il avait commencé à tousser. Et j'avais commencé à crier, à les appeler, et ces pauvres idiots ne s'y sont pas portés. Tais-toi. Il a exigé un verre d'eau et tu ne lui as pas donné, c'est ça? Je ne crois pas, je ne me rappelle pas que... Je veux dire, ici c'est pas chez moi, en plus c'est pas de mon devoir de lui donner. Jésus-Christ, qu'est-ce que tu viens de dire? Sors. Quoi? Sors d'ici. Mais tu dois quitter maintenant. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Il m'avait demandé. Tu dois quitter maintenant. Sors, sors, sors. Ça va. Jésus-Christ. Qui est cette fille? Oh mon Dieu. La mort. La mort, tu es méchant et cruel.
tu es très cruel. Le seul gentilhomme dans ce village. Le seul homme de bon cœur dans ce village. La mort. La mort, tu es méchant et cruel. Papa, s'il te plaît, calme-toi, je t'en prie. Hein? Il y a aussi des gens bons qui sont tout autour. Où sont-ils? Qui sont-ils? Montre-moi un parmi eux. Montre-moi un homme qui est bon parmi les gens de ce village. Je sais comment vient se faire l'humiliation et le rejet dans ce village, même des gens que j'aime. C'était seul ce roi, le roi Stanley. Il a vu la douleur dans mon cœur et m'a aidé. Il était vraiment un homme bon. Sa mort est vraiment restée un choc pour moi. Toutefois, seul Dieu sait. J'ai supplié Dieu de ne pas tuer cet homme. J'ai supplié Dieu de ne pas laisser cet homme mourir. J'ai même dit à Dieu de prendre ma vie au lieu de celle du roi. Mais Dieu ne m'a pas écouté. La mort est méchante et cruelle. Papa, arrête-moi ça, oh. Pourquoi pouvais-tu dire ça à Dieu? Voulais-tu que je reste ici toute seule? Hein? J'allais rester avec qui? Seul Dieu sait pourquoi est-ce que tout ceci est arrivé. S'il te plaît, arrête de désespérer, s'il te plaît. C'est pénible. Doucement, papa, s'il te plaît. Doucement. Ou encore l'espoir. Je t'en prie, papa, s'il te plaît. Ou encore l'espoir. Arrête ça, je t'en prie. Il n'y a plus de l'espoir. Veux-tu vraiment que je reste toute seule? Il n'y a plus de l'espoir. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il n'y a de l'espoir nulle part. Salut mon prince. Mon prince, votre nourriture est servie. Je n'ai pas faim, s'il te plaît. Mais mon prince, on n'avait rien mangé depuis hier. Je vous en prie, essayez de manger quelque chose. C'est parce que je n'ai pas faim. Alors dégagez. Désolé. J'espère que les anciens seront là très bientôt pour te couronner roi de ce royaume. Moi? Je ne suis pas intéressé. Je ne comprends pas. C'est une blague, ça? Kima, mon père signifie tout pour moi. Mais la mort me l'a enlevé. Elle me l'a enlevé sans un mot. En l'état actuel des choses, je ne suis pas prêt pour le trône. Alors, comment vais-je pouvoir m'asseoir sur le trône si je n'y suis pas préparé? Mon prince. Vaut mieux que quelqu'un d'autre soit intéressé, parce qu'en ce moment, je ne suis pas intéressé. Mon prince, ton père est mort pour que tu le succèdes. Il est mort pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est mort pour moi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort sans me dire un mot. Comment? Il ne m'a pas dit au revoir.
Tu sais, ce qui me fait mal le plus est que ma soi-disant fiancée était là quand mon père mourait. Et elle ne pouvait pas lui donner un verre d'eau. Quoi? Tu veux dire que la princesse était là quand ton père était en train de mourir, sans même l'aider? Je suis déçu, mon frère. Je suis complètement confus. Comment tu vas? Non, rien ne va bien, oh. Qu'y a-t-il? Ça concerne le prince. Il m'a dit qu'il ne montera pas sur le trône de son père. Quoi? Est-ce une blague ou quoi? Il est sérieux, oh. Même moi, je l'ai vu. Hey! Osiyon Maranubas. Hey! Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est le prince. Qu'est-ce qui t'est arrivé au prince? Il dit qu'il ne prendrait pas le trône de son père. Ah. Pourquoi? Parce qu'il est toujours choqué par la mort soudaine de son père. Hey! Alors, papa, qu'allons-nous faire maintenant? Je pense qu'il faut au prince une bonne musique pour lui remonter le moral. Alors, Tim, tu peux t'en aller. On sera bientôt au palais. Apporte-moi la guitare. On va se rendre au palais. D'accord, papa. Hey! Aussi, j'ai mal à la basse. Bien, ne penses-tu pas que il est temps pour toi d'être avec le prince maintenant que son père n'est plus? Maman, es-tu sérieuse? Maman, tu veux que j'aille auprès d'un homme qui croit fermement que j'ai tué son père? Tu sais que tu n'es pas une meurtrière. Tu ne veux pas. C'est ce que je me demande. En fait, je me demande ce que j'aurais gagné en tuant son père. Obika, j'ai bizarrement ces derniers temps. Eh bien, tu ne peux pas en vouloir à l'attitude d'un homme qui vient juste de perdre son père. Il est certainement frustré. Maman, ça m'est égal. Maman, il peut être frustré, énervé ou hypnotisé. C'est pas mon problème. Je m'en contrefiche. Mon enfant, je crois qu'il est temps pour toi de mettre de côté toutes ces importances que tu donnes à ta personne et d'être avec lui. Il a besoin de toi. Mais j'avais cru qu'il avait dit qu'on devait se voir avec Ono. Je t'en prie, maman, pouvons-nous mettre fin à cette discussion et continuer notre balade? Bien, je suis contente de m'acquitter de mon devoir. Si c'est la bonne chose à faire pour toi. Merci, maman. Alors, cherche comment le voir, d'accord? Ok. Mon prince. Mon prince. Je ne vous ai pas demandé. Je sais, mon prince. J'ai jugé bon de venir vous rendre visite. J'espère que vous ne pleurez pas trop. J'espère que vous ne pensez pas trop. Que pensez-vous d'un homme qui vient de perdre son héros, qui signifie tout pour son existence? Des larmes. Mon prince, votre père, notre roi, était si important pour moi. C'est pourquoi lorsque j'ai appris sa mort, j'ai beaucoup pleuré. Alors nous sommes venus pour vous consoler à notre petite manière. J'espère
que ça vous aidera beaucoup. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, rendez-moi heureux. Je... Libérez mon esprit. Libérez-moi. Je suis désolé, madame. Le roi nous a instruit de ne pas vous laisser entrer. Attends, est-ce une blague ou quoi? Je ne suis pas d'humeur à blaguer. Ouvre le portail. Je suis désolé, madame. Ce sont les ordres du roi. Attends que je l'appelle. Je suis d'accord avec lui. Il ne répond pas. Écoute, je suis la princesse. Alors j'ai pleinement le droit d'entrer dans toutes les parcelles qui se trouvent dans mon royaume. Ouvre le portail. Allez, mon cher ami, vous faites quoi là? Reculez. Dégage là. Idiot. Ouvre le portail. Ouvre le portail. Mon cher ami, je dis ouvre le portail. Si tu osais, tu auras ça sur la tête. Reste là, mon ami, reste là. Ouvre ce portail.
Où est-il? Dégage de mon chemin! Écarte-toi! S'il vous plaît! Laisse-moi passer! S'il vous plaît, le prince nous a instruit de ne pas vous laisser entrer. Désolé, mon prince. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a subjugué. Ça va, ça va. Désolé. Tu peux partir. Que veux-tu? Obika, il t'était pour une chose. J'allais te donner une bonne gifle que tu n'as jamais reçue de ta chienne de vie. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé te dire à tes gardes de ne plus me laisser entrer dans cette maison et te voir? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas giflé? Je me répète encore une fois. Que veux-tu? C'est quoi cette question idiote? C'est depuis quand que tu as commencé avec ce genre de questions? Je suis venu te voir. Eh bien, je... Mais ce que j'essaie de comprendre, Obika, pourquoi as-tu donné l'ordre à tes vauriens de garde de ne plus me laisser entrer dans cette parcelle? Pourquoi? Eh bien, je crois que tu venais ici pour voir mon défunt père. Et maintenant, il est mort et je suis sûr que tu es au courant. Donc, je ne sais pas ce que tu fais dans ce palais. Je te demande pardon. Attends. Essayes-tu de dire que je venais dans ce palais pour voir ton père? Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Tu sais, c'est pas de ta faute. C'est mes parents que je condamne pour m'avoir forcé à faire partie de ta vie misérable. Je veux dire, tu ne m'intéresses même pas. Tu aurais dû arrêter depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu continues. Mon père est décédé. Peut-être tu n'es pas au courant. Il est mort. Maintenant, pourquoi permets-tu à tes parents de te pousser comme une petite fille, d'aller chercher un petit ami? Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'es qu'une misérable. Je ne veux pas rester planté là et te regarder en train de m'insulter. Je ne veux pas. Non. Papa, je m'inquiète pour le prince. Demande-moi. Va-t-il changer sa décision par rapport à son accession au trône? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma fille. J'espère que le chant que nous avons fredonné aurait de l'impact. Sa solitude me donne beaucoup de soucis. Papa, je m'inquiète parce que les servantes ont dit qu'ils ne mangent pas. J'ai vraiment pitié de lui. Ça fait vraiment mal. Croyons seulement qu'il changera et acceptera de devenir le roi. J'espère aussi, papa. Je le crois. J'espère que tout ira bien. Ce repas est délicieux. Mon prince, nous les membres du cabinet du roi avions eu une réunion il y a cela quelques jours. Nous pensons qu'il est temps de faire ce qui est juste. De faire la chose juste. Ce qui est de te couronner le prochain roi de notre terre. Et nous avons fixé une date qui est dans 4 jours. Notre prince, nous sommes désolés que cette information te parvient à l'improviste. Tu vois, nous ne pouvons plus attendre. Notre peuple attend pour s'assurer que la tradition de ce grand royaume est observée. C'est pour ça que nous sommes là. Eh bien, j'ai à vous remercier tous d'être venus. J'ai également entendu ce que vous avez dit.
Vous ne pensez pas que j'ai besoin de certains préparatifs afin d'être prêt pour la cérémonie? J'ai promis d'accéder au trône de mes ancêtres et prendre la responsabilité des choses que mon père a laissées derrière, de vous servir avec la dignité et avec l'honneur. Mon prince, nous sommes très fiers de vous. DJ, je pense que vous pouvez déjà commencer avec les suggestions. Mais ce gars est très beau. J'espère que tu le sais. Et après quoi? Bien, il peut être beau et charmant. Mais moi aussi, je suis jolie. Je suis le rêve de tous les hommes, et tu le sais. Alors arrête de faire comme s'il était très spécial. Écoute-moi très bien, ma chérie. S'il te plaît, qui t'épouse seulement? Qui l'épouse qui? Celui-là? Je ne vais jamais accepter de me marier à ces pauvres aliénés. Quelqu'un qui ne m'appelle même pas au téléphone pour savoir comment je vais, je ne le ferai pas. Tu sais, des fois, je regrette amèrement d'avoir écouté le conseil de mes parents. Ma chérie, tu n'as pas de choix. Mais t'as déjà fiancé. Je comprends maintenant d'où vient le problème. C'est les mots fiancé. Tu sais quoi? Je crois que j'ai déjà reçu ma dose d'insultes venant de lui. Et je ne vais pas en recevoir plus. Mais pourquoi je m'étais donné la peine de vous écouter en premier lieu? Ah, j'ai déjà pris ma décision, je t'en prie. Laisse-moi ma tranquille. Chère, s'il te plaît, gère-les calmement. Je t'en prie. Ce garçon est beau. Et toute fille aimerait très bien sortir avec lui. Il est le prince. C'est quoi ton problème? Très grand royaume. Mais tu as arrêté? Arrête ça, s'il te plaît. J'en ai ras le cul d'écouter Obika par-ci, Obika par-là. Vous faites comme s'il était spécial. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ces gars? Calme-toi. J'ai pas envie de me calmer, arrête. Calme-toi. C'est quoi au juste? Obika prince, Obika roi. C'est fini, calme-toi. Laissez-moi respirer. Calme-toi. Excuse-moi. Excuse acceptée. Sinon, je la ferme. Ma chérie. Comment pouvez-vous faire une telle erreur? Pourquoi? Pourquoi vous étiez allé faire une telle prononciation pour le nommer roi? Quand nous connaissons tous la tradition. Vous savez tous qu'il n'est pas encore marié? Maintenant le couronnement c'est dans 3 jours. Qu'allons-nous faire? Onowu, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Exactement. Tu vois, le trône ne peut pas rester vacant. Et tu n'étais pas là. C'est pas ça la réponse à ma question. Le sort en est jeté. Cherchons une solution, s'il te plaît. Écoutez, Onowu, quelle est la solution maintenant? Mais je ne t'ai pas vu ces 2 jours. Ouais, j'ai été mordu par un scorpion. Et ma fille prenait soin de moi. Oh, je suis désolé pour ça. Toutes mes excuses. Non, ça va. Je suis désolé pour ça. Mais la morsure de scorpion est très douloureuse. Waouh. Ouais. Je suis désolé. Comment vas-tu maintenant? Mon roi, je vais bien. Tu vas bien. Je suis content que vous avez finalement pris l'héritage de votre père. Hein? Les dieux de nos ancêtres vous donneront de la sagesse pour bien diriger notre peuple. Amen. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Mon roi, j'ai composé un nouveau chant cet après-midi. Et je me suis dit que vous serez le premier à l'écouter. Oh, même allez. Ça, tu vois l'état embryonnaire. Fais-moi l'état embryonnaire. Chante ça, je vais voir. Donne-moi ça, je vais écouter. Igobika. Inébébé. Amana. Que fais-tu ici? Aïe! Hein? Que fais-tu ici? Ah. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est pourquoi tu m'as giflé? Chidé, j'étais interdit beaucoup de fois.
de ne pas venir chez mon père. Ne viens plus dans cette parcelle. M'as-tu entendu? Oyapa, vas-y vite. Vas-y et ne reviens plus jamais. Mais non. Ferme-la. D'ailleurs, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, toi? Regarde-moi la personne que je veux aider. Tu veux m'aider? J'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Prends ton aide et rentre avec chez toi. Va-t'en. Oui, arrête-moi ça. Qui a besoin de toi? Arrête-moi tes sales bêtises, idiote. Tu me racontes de n'importe quoi là. Et tu n'as même pas une belle tête. C'est quoi ça? Sors. Arrête-moi ça. Sors de l'avancée de mon père maintenant. Je suis venu t'aider et tu me racontes n'importe quoi. Et regarde, tu n'as même pas une belle tête. Papa? Pour qui tu te prends, toi? Tu ne m'entends pas. Va-t'en. Je suis juste venu t'aider. Tu n'en fais pas part avec ton aide. Eh bien, j'irai. Qu'est-ce que tu penses? Je m'en vais, qu'est-ce que tu penses? J'étais de passage, je suis venu juste t'aider. Regarde-moi cette garce, idiote. Mon garçon, comment tu vas? Je suis maintenant un roi. Je sais que tu es roi, mais tu ne dois pas oublier une chose. La poule n'oublie jamais ses enfants. Oh non. T'es comme un fils pour moi. Soyez les bienvenus dans mon palais. Merci beaucoup. Dois-je demander à l'un de mes gardes de vous apporter du cola? Non. Ce n'est pas tellement nécessaire. J'ai bien mangé avant de venir ici. Oui. Agero Namanoka Bututu. Nous étions venus dans une mission et je me suis dit de venir... ici au palais et présenter nos salutations au nouveau roi. Merci. Je suis particulièrement heureux pour cette nouvelle position. Et je suis impatient de venir te voir accomplir notre accord avec ton défunt père Benson. Oui. Maintenant que tu es devenu roi, je crois qu'il est temps pour toi de te trouver une femme. Oui. Makafodom. Makafodom. Yakulu. Yakulu. Oui, c'est ça. Les essuyeuses ont connu un petit problème, mais cela vient d'être arrangé. Je suis désolé. Tony. Votre Altesse. Puis-je te poser une question? Oui, Votre Altesse, je vous écoute. Penses-tu que je devrais épouser Princesse Egoma? Votre Altesse, je pense que cette décision est totalement la vôtre. Non, arrête. Mais je veux dire, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu es pour moi comme un frère de famille. Tu sais, tu es mon garde le plus fiable. Donc, ton opinion compte pour moi. Que penses-tu? Tu penses que c'est une décision sage d'épouser cette princesse? Tu penses que c'est sage? Non, mon prince. Ouais. Merci. Merci, Tony. Je vous en prie. Tu vois, je veux juste que quelqu'un me donne une seconde opinion. Je sais que quelque chose ne va pas bien. Je savais qu'elle n'est pas juste ce qu'elle prétendait être. Merci. Merci. Waouh.
Merci. J'ai besoin de quelqu'un qui sera d'accord avec moi. Je parle à ma conscience. Je dis, est-ce que tu es juste? Tu vois? Merci, Tony. Je suis content de vous avoir été utile. Je t'en prie. Merci, une fois encore. Amambi, arrête la voiture. Je dis arrête. Laisse-nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas confortable à la dernière réaction du prince. Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est prêt à s'engager dans le lien de mariage et de prendre soin de notre fille. Je pense que le vrai problème ici est notre fille. Elle n'a pas tellement bien fait son travail en faisant de lui un ami. Elle est orgueilleuse et trouve l'idée de l'obéir inconcevable. Bien. Elle m'a dit que le prince n'a pas le sens d'amitié à chaque fois qu'il essaye de l'approcher. Elle est une femme. Et elle sait comment séduire un homme pour qu'il la satisfasse. Elle devra d'abord faire en sorte qu'il devienne son ami avant que quoi que ce soit ne fonctionne entre eux. C'est un peu ça. Mais pourquoi tu ne la laisses pas faire le choix d'un homme qui sera dans l'avenir son mari? Femme, femme, ne m'énerve pas. Elle lui a été promise, alors qu'il en soit ainsi. Le roi Obika n'a pas d'autre choix que d'épouser ma fille et va l'épouser au moment opportun. Tu oublies que l'amour, c'est le cœur. Si au moins elle avait réussi à faire ce que je lui avais demandé. En passant, où est-elle? Je ne sais pas. Il faut absolument que je lui parle. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Trouve-la-moi. Votre Majesté. Oh, Amara, comment vas-tu? Votre Majesté, ça va bien. Ok. Votre Majesté, aujourd'hui c'est mardi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je me suis rappelé que je chante pour vous chaque mardi. Mon père ne va venir avec moi parce qu'il est allé vendre son huile de palme. Je suis vraiment désolé, ok? J'ai totalement oublié qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Oh. Laisse-moi me précipiter pour aller quelque part. Je serai de retour. En tout cas, faisons ça demain. D'accord, Votre Majesté. Prends soin de toi, ok? Merci, Votre Majesté. Désolé pour cette déception. Merci. D'accord. Beaucoup. Bye. Je suis allé à cet endroit aujourd'hui, mais on me dit toujours la même chose qu'on me disait avant. Igwe ni gadia,
Mec, tu vois de quoi je parlais. Pour qui elle se prend, elle? Tu vois ce que je disais? Elle ne sait même pas nous saluer. Mec, j'en ai de trop. Et Bouka, regarde, je vais me charger de cette bâtarde. Je les jure devant Dieu. Elle verra de quel bois je me chauffe. Tu verras. Tu as toujours un faible pour elle, hein? Tu ne peux pas enlever tes yeux sur elle. Veux-tu fermer ta bouche? Ferme ta bouche. De quoi tu parles? Qui t'a dit que j'ai un faible pour elle? J'en ai plus, oh. Et Bouka, regarde, en ce qui me concerne, je vais juste m'en charger d'elle. Et rien de plus. Es-tu sûr? Arrête de dire n'importe quoi. Hé, hey, finalement. C'est quoi, ça? Non, je ne crois pas. Finalement. Toi, qui ne te connaît pas? Hé, hey. Pourquoi ne ferais-je pas ça quand elle ne sait même pas me saluer? Qu'elle a juste se faire foutre. J'essaie juste de voir si l'amitié peut fonctionner entre nous deux. Juste le temps pour moi de découvrir qu'elle a une bouche entre ses jambes. Incroyable mais vrai. Une bouche. Et je te dis, entre ses jambes. Il n'y a pas moyen d'y pénétrer. Mais oui, non? Hé, hey, je n'avais jamais vu ce genre de choses avant. Oh. Une bouche entre les jambes. Et fais attention à ce que tu dis. C'est juste que j'ai promis de me charger d'elle dans ce village. C'est pourquoi je te dis ce que j'ai dit. Alors ça ne te donne pas le droit de commenter comme tu le fais. Ah non, 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 je jure devant Dieu. Tu risques de me prendre mal. Malgré tout ça, amoureux. Je l'aime toujours. Amoureux. Hein? Regarde-toi, non? Je t'avais averti. Je t'avais déjà averti. Maintenant, regarde-toi. Regarde même le pantalon que tu portes.
profiter de tes rencontres avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le roi, bien sûr. Tu veux jeter l'éponge? Amogé, as-tu oublié qu'il est déjà fiancé? Fiancé? Non, Amara, tu dis fiancé? Ce n'est pas toi la même personne qui m'a dit comment le roi déplorait du comportement de la princesse. Cela n'enlève pas le fait que la princesse soit la fiancée du roi. Qu'il le veuille ou pas, il doit l'épouser. La seule chose est que le roi va vivre le reste de sa vie dans la tristesse. Oh, Amara, pourquoi tu as toujours des réactions pareilles? Écoute, Amara, tu peux faire en sorte que cela n'arrive pas. Ah. Oui, n'es-tu pas une femme? Mogé, lui est roi et moi je suis ignoble. Quel lien y a-t-il entre un roi et une ignoble? Ok, si tu dis ainsi, puisque tu es loin de là, Amara, puisque tu n'es pas intéressée, je vais en saisir l'opportunité. Tu es libre, je ne t'ai pas empêché. Oui, c'est vrai. Tu me surprends deux fois, hein? Mon cher roi, Easy Boy, il est maintenant assis sur son véritable et légitime trône de pouvoir. Tu ne sais pas à quel point j'étais heureux quand j'ai appris que tu as été couronné. Chai! Chai! Jima, je suis censé être content, mais je suis très triste. Pourquoi? Je viens de découvrir la raison, je veux dire la vraie raison à cause de laquelle mon père m'a fiancé cette stupide princesse. En fait, il a emprunté une somme importante auprès de son père. Quoi? Qui est-ce qui te l'a dit? Ono l'a fait. J'ai failli la forcer de me le dire, sinon il ne le fera pas. Tu vois? Et j'ai été vraiment choqué quand j'ai appris cela. J'ai été choqué. Hey! Jima, je suis très triste. Not always as we planned, but we have to keep on moving. No one is born to suffer. No one. Everyone is on their own. Everybody. Everyone is on their own. On your good man. Can you?
As day comes, night we come. Ah, papa! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis blessé par mes gardes. C'est très profonde. Donne-moi de l'eau chaude. Non, non papa, ce n'est pas une plaie de l'eau chaude. Laisse-moi chercher un guérisseur pour toi. L'herboriste? Oui. As-tu oublié qu'on n'a pas assez d'argent pour payer l'herboriste? Papa, tant qu'il va t'aider à guérir, pourquoi garder l'argent? S'il te plaît, nous allons nous en sortir. Ah, c'est très sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Qu'est-ce qui m'arrive juste? Hein? Ça fait juste 3 jours. J'ai été mordu par un scorpion. Et maintenant, ceci. Hein? Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Papa, rien ne t'arrive. C'est une chose normale qui peut arriver à n'importe qui. S'il te plaît, tu ne peux pas t'inquiéter juste à cause de ça. Je vais pas prendre un guérisseur pour prendre soin de ton papa. Ok? Je reviens. T'inquiète, papa. La vie est vraiment mystérieuse. Osioma, Aranoumé. Arrête! Arrête! Qu'est-ce que... Tu ne joues pas bien aujourd'hui. Que s'est-il passé? Rien du tout. Rien du tout, mon roi. Tu sais que c'est un mensonge. Mais non, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé? Mon père... Mon père était allé seul à la ferme et il s'est blessé. Oh mon Dieu, tu n'as pas besoin de venir alors. Tu devrais rester à la maison et prendre soin de lui. Le pauvre. Est-ce que tu lui as cherché des médicaments? J'avais appelé les guérisseurs avant de sortir. Ok. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital, ok? Ça va. Mon roi, vous voulez partir avec moi? Viens avec moi. Mon roi, bienvenue chez moi. J'espère que tout va bien. Oui, papa. Votre Majesté, j'espère que ma fille n'a pas fait quelque chose qui vous énerve. Non, pas du tout. Je vois ton pied. Elle m'a parlé de ta blessure. Je suis vraiment désolé pour ça. Pourquoi la cour est si sale? Mon prince, je vais vous prendre une chaise. Non, c'est pas nécessaire. Ça me va comme ça. Odwego, je suis désolé, ok? J'ai été surpris quand elle m'a dit que tu as subi une si grande blessure. Et à cause de la relation que vous avez entretenue avec mon père et moi, donc j'ai pensé que ça serait gentil de venir vous voir et vous dire désolé. Et de là, on peut t'amener à l'hôpital, ok? Non. Votre Majesté, non, non. L'herboriste a commencé le traitement et il m'a promis que dans quelques jours, je serai guéri. Ah, on aura besoin. Vous le voyez, vous-même. Oui, mais on aura besoin d'un docteur pour voir ce que l'herboriste a fait et pour être sûr qu'il te dispense un traitement adéquat. Allez, va déposer ça à l'intérieur, reviens. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Je ne vous comprends pas. Comment ça votre roi peut-il sortir et que vous ne soyez pas au courant de l'endroit où il se rend? Il ne nous a pas dit où il partait. S'il vous plaît, vous nous punissez injustement. Qu'est-ce que tu viens de dire?
J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Je te reviendrai. Où sont les servantes? Dites-moi, où sont-elles? Où sont les servantes? Allez, approchez. Il ne faut rien. Dites-moi, où est votre roi? Il est sorti, ma princesse. Comment vous venez juste de m'appeler? Comment venez-vous de m'appeler? Maison, adressez-vous à moi comme à votre reine. Désolée, ma reine. Espèce de folle. Je sais que votre roi n'est pas là, il est sorti. Mais je veux savoir où est-ce qu'il s'est rendu, l'endroit. Nous ne savons pas là où il est parti, ma reine. Nous ne savons pas. Je ne sais vraiment pas ce que vous faites dans ce palais. Hormis le fait de manger et de dormir. Sortez de ma vue! Disparaissez! Regardez-le. Quant à vous deux, je reviens. Dégage! As day comes, night we come, so it's rain and sun. Imokwa time for it fun, time for everything. No kwetu buka monaka, no kwetu buka monaka. Ça va aller beaucoup mieux, ok? Merci beaucoup, votre non, majesté. Ça va aller, ok? Prends soin de papa, ok? D'accord. D'accord, au revoir. As day comes, night we come, so it's rain and sun. Imokwa time for it's fun, time for everything. No kwetu buka monaka, no kwetu buka. Mes anciens, on doit les lui rappeler. On doit faire un effort pour les pousser vers cette direction. Et que pensez-vous au fait que le roi ne pense pas encore dans cette direction? mes anciens, je pense que ce que Pitié Akache est en train d'essayer de dire est ceci. Nous devons vite agir. Parce que vous savez comment les jeunes d'aujourd'hui se comportent, oui, et la façon même dont ils réfléchissent. Tout à fait. Vous serez ce petit ne pense pas au mariage maintenant. Mmh. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait l'affronter avec ça maintenant. Donnons-lui encore un peu de temps. Peut-être qu'il cherche, mais il n'a pas encore trouvé. Itcha, je ne suis pas d'accord avec toi. On doit les lui rappeler que nous n'attendons que ça de lui. Y a-t-il pas de jolies filles dans notre royaume? Hein? On doit aussi lui rappeler que sa royauté n'est pas complète jusqu'à ce qu'il aura une femme. Ichi, tout à fait. Tu as notre raison. Peuple mérite un roi complet. Tu as raison. Oui. Oui. Je pense qu'il a raison. C'est avec lui. C'est nécessaire. Tu as complètement ouais. raison. Ouais, c'est ça. Raisonnable. Prends ça. Achète de la nourriture à ton père et tout ce dont il a besoin, ok? Laisse-moi t'accorder une semaine de congé afin que tu prennes soin de lui, ok? Merci beaucoup. Merci énormément, mon roi. Qui suis-je? Qui suis-je, mon père et moi, pour nous montrer cette gentillesse? Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai déjà dit, toi et ton père,
aviez prouvé que vous êtes le digne serviteur de ce palais. Vous avez établi une bonne relation avec mon défunt père. C'est tout à fait loyable. Donc, je vous considère comme ma responsabilité. Merci beaucoup, mon roi. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Sarah, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu peux partir maintenant. Merci beaucoup, mon roi. Jima. Oui, Igwe. Je suis certain que les anciens auront bientôt cette discussion avec moi. Mais je ne sais pas quoi leur dire. Mais c'est très simple. Tu n'as qu'à leur dire que tu ne vas pas te marier avec la princesse. Que tu ne l'aimes pas du tout. Est-ce que je me trompe? Comme si c'est facile. Ce n'est pas si simple. Tiens-toi prêt. Par ce garde ne tombe pas aussi facilement que ça. Il doit y avoir un moyen. Ouais, bien sûr. Il doit y avoir une issue. Oduego, si tu me demandais, je te dirais que tu es chanceux. Comment? Il a de la couleur. Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète pas. Tu me demandes comment? Si notre roi te porte dans son cœur, cela veut dire que les choses sont claires pour toi. Oui. Clair pour moi, comment? J'ai pas compris, comment? C'est clair pour moi, comment? J'ai pas compris. Ta fille, bien sûr. Oui. Ou tiens-tu toujours compte de l'histoire de Bitonta Korambou? Hein? Onyeze, je valorise et respecte toujours mon amitié avec le roi quand bien même il est mort. Je sais. Je ne peux jamais aller contre ses arrangements pour l'avenir de son fils. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Mais laisse-moi te dire. Utilise ton cerveau. Utilise-le pour savoir que ce n'est pas possible que notre roi puisse épouser cette arrogante fille de Ibwe Nyeka. Oui, elle n'a pas été faite pour lui. Assez. Assez. Arrête d'aller contre la décision des dieux qui étaient présents le jour de leur engagement et ils avaient donné leur approbation. Je ne suis pas intéressé par le trône et ma fille non plus. Ce que nous avons est assez pour nous. Nous nous contentons de ce que nous avons. Odego, j'ai dit ma part. Oui. T'as donné ton opinion. Vas-tu maintenant prendre la cola? Vas-y, sers-toi, non? Merci. Dis-moi, Rita, est-ce une blague? Attends un instant, attends une minute. Ne me dis pas que c'est l'une de tes blagues parce que je ne suis pas d'humeur. Ma princesse, je ne veux pas blaguer avec ce genre de choses. Je l'ai vue. Au fait, elle et son père ont en train de flatter le roi. Oh, cette idiote. Tu ne sais pas combien cette fille m'énerve. Je la déteste beaucoup. Cette idiote a été présentée à mon prétendant avant le décès du roi. Comment ose-t-elle? Ma princesse, ils ne sont pas seulement de chantres. Ils ont aussi éloigné le prince de toi. Voilà pourquoi le prince ne te regarde même plus haut. Rita Chambry, s'il te plaît, connais-tu au moins l'endroit auquel je peux trouver cette aliénée et sa fille? Connais-tu leur adresse? J'ai besoin de leur donner une très bonne leçon. Oui. Je crois que je connais les lieux. Est-ce que tu peux me conduire? T'inquiète, je vais t'emmener là-bas. Ne me demande pas de me calmer, Rita. J'ai besoin de me rendre là-bas tout de suite. T'inquiète, je vais te montrer là-bas. Kenyon, qu'est-ce qu'il y a? Kenyon, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi même? Ah,
C'est quoi le problème? Attends, qui es-tu pour me poser une telle question? Oh, écoute, es-tu malade? Chidi, écoute, si tu n'as pas un truc raisonnable à me dire, s'il te plaît, libère mon chemin. Je dois aller préparer à la maison. N'ose pas me tourner le dos. Ferme ta bouche et laisse-moi parler. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens vraiment dans ce village? Hein? Qui es-tu pour que je ne t'arrête pas pour te poser de questions? Pourquoi ne peux-tu pas juste comprendre que je t'aime et je m'inquiète pour toi? C'est si difficile que ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'amour s'efforce maintenant pour l'avoir. Tu dis je ne t'aime pas et je n'ai rien à faire avec toi. Arrête de me déranger, oh. Je le répète encore, arrête de me déranger, je t'en prie. Non, je ne laisse pas tranquille, parle-moi. Qui est cet homme? Non, il faut que tu me dises qui est cette personne. Qui est cette personne pour que tu ne puisses pas me parler et m'entendre? Moi, un homme respecté dans ce royaume. Laisse-moi partir, tu crois sur moi. Alors ça fait quoi? Je suis un homme. Tiens. Tu vois ce que je n'aime pas chez toi. Tu insultes les gens comme bon te semble. Mais cette fois-ci, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Problème, Tu dis toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Tini? Pourquoi tu me cherches des problèmes, hein? Pourquoi tu cherches des problèmes? Tu cherches quoi dans ce village? Tu as de la chance. Si je ne t'ai pas intéressé à ta fleur là, si je ne t'ai pas intéressé à ça, laissons aller couler. Tu vas me voir aujourd'hui dans ce village, Tini, je te jure. Tu vas me sentir aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Ouais, comme ça. Écoute, laisse mon vêtement. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, l'imbécile a fura si je n'agis pas maintenant. Laisse-moi aller le tuer maintenant et le décapiter. Papa, le tuer va te causer de troubles. Ça m'est égal. Tu lui as donné le droit de toucher ma fierté et ma seule fille avec ses mains sales. Qui ai-je offensé dans ce village? Qui ai-je offensé? Papa, tu sais que tu m'as fait toujours ça depuis tout ce temps. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Oh. Es-tu sérieuse? Amara, tu ne me l'avais pas dit. Amara, je ne suis pas content. Je vais lui montrer aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de toucher ma fille comme ça. Non, papa! 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 Ah, Chima, je souffre. Igwe! Ce n'est pas facile de porter ça. Mon roi. Ce n'est pas facile de porter ce que je porte là. Regarde ton pote. Bien. Ton pote a l'air d'un vieux surhumain. Ne t'en fais pas. Bien. Ça serait mieux de rassembler toutes les belles filles de ce village et de sélectionner la fille de ton choix. J'aurais vraiment aimé faire ça. Mais tu sais que cela va attirer l'attention de cette stupide gamine, cette princesse et son père. Je veux un mariage privé et je ne pense pas que cela sera possible. Tu sais, ma préoccupation est... Je ne sais pas si les anciens me supporteront si je fais ça. C'est ça ma préoccupation. Je me demande s'ils me supporteront. J'en doute. Mais tu dois les informer de tout ce que tu penses à propos de tout ça. Excuse-moi, mon roi. Je crois que je ferais mieux de partir d'ici. Excusez-moi. Comment oses-tu ordonner mon ami devant moi, en ma présence?
Est-ce que tes parents ne t'ont pas appris comment respecter les gens? N'essaie plus jamais. N'essaie plus de parler ainsi de mes parents. Omika, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu gâches tous les efforts que je fournis pour que nous puissions être ensemble? Pourquoi? Ton caractère. Qu'a fait mon caractère? Sale comme l'enfer. T'es-tu déjà demandé? Pour une fois, pourquoi tu viens toujours chez moi et moi pas chez toi? Et pourquoi je ne viens jamais te voir? Peut-être si tu t'es posé ces questions, tu cesseras de te vendre mon cher en courant derrière un homme. Au cas où tu aimerais le savoir, je me suis aussi posé la même question. Et ça fait quelques jours depuis que j'ai trouvé la réponse. J'ai toujours cherché à savoir pourquoi tu me détestais. Pourquoi tu me hais beaucoup? Pourquoi ma présence t'énerve-t-il? Et la réponse, c'est cette fille, cette musicienne. C'est elle mon problème. De quoi parles-tu? Tu essaies de faire semblant comme si tu ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire, ou soit tu ne sais pas de quoi je parle. Cette folle, la fille de ces sorciers qui vient souvent dans le palais au nom de la musique, c'est tellement problème. Cette sorcière te distrait pour que tu ne puisses pas me voir et ne pas me prêter attention. C'est tellement problème. Donc, tu as finalement ajouté un délirant à ta menace ennuyeuse. Dégoûtante comme princesse. Sors de chez moi. Omika! Omika! Ne crie plus jamais mon nom comme ça dans mon palais. Non! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Désolé. Pose à nouveau tes yeux sur moi, je te donnerai une baffe. Désolé. Qu'il remercie son Dieu que je n'ai pas vu à la maison, sinon... Papa, nous ne pouvons plus aller nous plaindre chez Ivoué. Aussi longtemps qu'on a déjà accusé chez ses parents. Pas question. Pas question. Je dois le rapporter à Ivoué et même à la police. Et si t'avais blessé lorsqu'il t'a attaqué? Hein? Je dois l'arrêter de te harceler. Papa, je ne pense pas qu'il aura encore le courage de s'approcher auprès de moi. Salut, ma princesse. Ma princesse. Oh, peu importe. Donc c'est toi l'idiote. Je vais dire l'idiote illettré qui essaie de détourner l'attention du roi envers moi, toi. Vraiment? Ma princesse. De quoi allais-tu la faire? Tais-toi! Qui es-tu pour parler pendant que je parle? Allez, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venue d'ici pour perdre mon temps avec toi. Je ne veux plus jamais vous voir. Toi, ainsi que ton saleté de père au palais à nouveau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Au cas contraire, vous n'apprécierez pas du tout ma réaction. Mais, ma princesse, nous allons juste là-bas sous l'ordre du prince. Tu la fermes toi aussi. Excuse-moi. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je te demande pardon. Un bouc comme toi parle pendant que je parle? Fou! Stupide! Je ne veux plus jamais voir vos sales pattes au palais. On y va. Hi! Oh, si yomara nuba su. Lela. Lali. Lo. Wa. Sérieusement?
Maman, tu ne dois pas croire ce que je veux. Elle n'a même pas essayé de la nier. Je veux dire, c'était écrit sur elle. Ça se voyait clairement. Cette fille est la raison pour laquelle Obika ne m'a jamais remarqué. Il ne m'a jamais porté d'attention depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, Obika a un plan de te remplacer par une autre fille. Ces garçons sont allés vraiment très loin. Ne te dérange pas, maman. J'ai déjà prévenu cet idiote illettré qui ne fait que tourner autour de mon prétendant. Si jamais je l'aperçois tout près du palais de mon prétendant, je lui ferai la peau. Je lui ai dit ça et mon message a été très clair. Bien, t'inquiète. J'en ferai rapport à ton père dès qu'il sera là. Il doit savoir ce que ces garçons fous et ingrats essayent de faire derrière notre dos. Obika. Papa, je ne veux pas que quelque chose arrive à toi ou à moi. S'il te plaît, O. Amara. Papa. Je ne peux pas m'éloigner du palais. Le roi a besoin de moi. Au fait, le roi a besoin de nous. Papa, cette princesse est désespérée et elle est très très méchante. Elle est capable de tout. Tu prends ces menaces au sérieux? Bien sûr. Papa, son père est un roi très très riche. S'il te plaît, évitons-les. Évitons aussi le roi. S'il te plaît. Le roi ne sera pas content de nous. Crois-moi. Il enverra ses gars pour venir me chercher. Si c'est le cas, nous pouvons chercher quelque chose à leur dire. Nous devons vraiment nous éloigner du roi. Papa, s'il te plaît, ça c'est question de la vie et de la mort. Soyons loin d'eux. Ça fera que nous n'allons plus être tout le temps avec le roi. Comme ça, le roi sera à elle-même. S'il te plaît, évitons-les. Le roi ne la regarde même pas. Elle est si stupide pour penser que le roi serait très énervé contre elle s'il apprenait qu'elle nous a menacés. Au fait, je pense que je dois aller rapporter ça au roi. Papa. Surtout pas de déranger la princesse, ok? Donc vous deux devez garder un œil sur elle. À chaque fois qu'elle est ici, faites un effort de prêter une sérieuse attention sur elle. Tous ses mouvements, surveillez-les. Soyez très vigilants, ok? Oh, Tony. Retournez à vos places. Mon roi. Viens. Mon roi. As-tu vu le guitariste et sa fille récemment? Non, mon roi. Ok, envoie-leur quelques mots de ma part. Essaie de voir s'ils se portent bien. C'est d'accord, mon roi, mais pourquoi ne pas rester? Laissez-moi aller les voir pour savoir ce qui se passe. Mieux, Tony. Tony, je veux que tu ailles toi-même. Et assure-toi de voir comment ils se portent, ok? Et dis-leur que je vais les voir. Ok, mon roi. J'y vais tout de suite. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, mais tu ne voulais pas m'écouter. Eh Bouka, il manquait un abonné ici. Au moins, on va t'aggraver à la main que t'as dégoûté. Non, t'as c'est un homme, elle est partie m'accuser chez mes parents.
Je le jure devant Dieu, je vais montrer à cette fille ce que je veux. Que veux-tu que je dise? Hein? Qu'attends-tu de moi? Elle devrait même t'accuser au palais. Même à la police. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'est égal. Écoute, je vais me charger de cette fille dans ce village. Même mes parents ne m'ont jamais grondé comme cette fille-là me gronde. Il n'y a que cette idiote de fille qui me gronde. Je le jure devant Dieu. En tout cas, si je m'occupe pas d'elle, appelez-moi bâtard. Ched, laisse cette fille-là tranquille. Hein? Laisse-la tranquille. Je t'avertis, oh. Elle ne mérite pas ça. Hein? Tu te mets toi-même en danger, oh. Rappelle-toi, elle se connaît avec le roi. Tu te mets toi-même en danger. Si tu continues à la voir, tu vas te mettre en danger. Hein? Comporte-toi juste comme si de rien n'était. Jamais. Hein? Ça fera quoi? Jamais, Bouka. C'est quand même ton jamais. Problème. Jamais. Tu dis jamais, hein? Nganka mou, mémé. Tu vois cette fille? Tu vois cette fille? Je vais me charger d'elle. Et elle saura que je reste le tiédé. Que j'ai toujours été dans ce village. C'est quoi même ton problème? C'est devenu finalement une obsession pour toi? Occupe-toi de tes affaires. Écoute, mon cher, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est que je sais que cette fille-là est insolente et que je dois me charger d'elle. Et tout ce que tu dis là, moi je m'en tape. Et je suis tellement en colère tel que je te parle. Tiédé. Un grand homme comme toi, mais tu te comportes comme un petit garçon. Votre Majesté, vous ne m'avez pas appelé avant de venir. C'est surprenant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui te donne le courage de me prendre pour un fou? Réponds-moi. Garçon, réponds-moi. Je ne comprends pas. Je suis sûr et certain que ton père t'a bien dit comment tu étais promis à ma fille il y a plusieurs années passées. Au cas où il ne te l'a jamais dit, laisse-moi te le dire maintenant. Tu as été promise à ma fille. Et il est temps pour toi de venir accomplir cette promesse en faisant d'elle ta femme. Okakaraka. Je remarque une menace dans votre voix. Puis-je savoir pourquoi? Exact. Parce que tu as été hostile et offensif à ma fille. Parce qu'en réalité, tu es en train de me prendre moi et ma famille pour des fous. Et surtout, tu es en train de tromper ma fille. Oh oui, elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit. Comment tu es en train de sortir avec une certaine fille comme ça? Qui chante avec son père? Ma fille l'a d'ailleurs déjà averti. Et moi, je suis venu t'avertir également. Ne provoque pas la foudre. Vous dites que votre fille est allée avertir Amara et son père? Garde! Escortez-le d'ici. Mais tournes-tu le dos? Mon garçon, qu'est-ce que tu penses faire? Tu me tournes le dos! Ezen dièse! Retourne ici! Oh, quand un fils envoie son père ailleurs, l'aveuglement devient la règle du jour. Et le lézard qui a interrompu la cérémonie de funérailles de son père portera ce corps sur sa tête. Je déteste les proverbes. J'aime les versions. Apprête-toi au pire. Salut. Salut. Est-ce que ton père est là? Mon père? Oh, bonjour, Mazioudouego. Salut. Je suis envoyé par le roi, Sa Majesté, pour vous chercher tous les deux.
Dis-lui qu'on arrive dans quelques minutes. Je suis désolé, Amara. Personne ne fait attendre Sa Majesté. Oh, dis-lui qu'on arrive alors dans 5 minutes. 5 minutes, tu as dit? Oui. S'il vous plaît, ne faites pas attendre le roi. Ok. Je vais vous laisser maintenant. D'accord. Amara. Papa. Tu sais que nous n'irons pas. Le roi sera déçu. Papa, on ne peut pas risquer notre vie en allant là-bas. Je veux dire... Ok, pensons à quelque chose. Prétends comme si tu es malade. Être malade? Oui, papa. Non. Moi encore malade? Non. J'ai déjà trop souffert de beaucoup de maladies. Peut-être que c'est toi qui ferais semblant d'être malade. Papa, non, moi je ne suis pas malade. Oh. Ah, comment je peux être malade, papa? Non, pas moi, je refuse. Pas moi, vraiment. Je ne peux pas être malade. Toi, je suis papa, non. Fais tu semblant d'être quelque chose, même si c'est la folie. Fais semblant d'être fort. Ah, non, papa, non, pas. Ne pense même pas ça. Regarde ton pied là. Mm. Tu peux jouer avec ça. Tu peux encore faire une rechute, tu vois un peu. Hein? Tu veux dire que ce garçon t'a marché dessus tout en gardant sa position? Je ne me suis jamais senti aussi insulté de toute ma vie. Aussitôt qu'il a entendu parler de cette fille, il est parti. C'est très évident qu'il est tellement attaché à cette fille qui avait l'habitude de chanter pour son père. Le mieux pour moi serait de considérer sa position. Non. Il n'a pas de choix. Je rappellerai au conseil des anciens mon accord avec son défunt père. Il a le choix d'accomplir cette promesse ou de faire face à la rage. Wagwada Taefia. Anundendu Koneli. Tony, je pensais que je t'ai dit de venir avec eux. Oui, Votre Altesse. Mais ils m'ont assuré qu'ils seront ici avant même que vous ne le sachiez. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand tu es arrivé là-bas? Rien du tout, mon roi. Mais j'ai vu la peur qui rongeait leurs yeux. Ok. Amène-moi là-bas. Not always as we planned. Entre dans la voiture. Je ne comprends pas, Votre Majesté. Laquelle de partir que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui est si difficile pour toi de comprendre que je veux que tu entres dans cette voiture? Entre dans la voiture tout de suite. Mais Votre Majesté, je ne comprends pas, je sais pas. Jeune fille, entre dans la voiture. Vite! Papa, papa, Votre Majesté est là. Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Je vous salue, Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Pardonnez-nous pour ne pas être venu comme prévu. J'attendais pour donner les médicaments à papa à 14h. Ce qui est déjà fait. Voilà pourquoi on se préparait pour venir revoir Votre Majesté. Votre Majesté, vous savez que les médicaments sont pris à des heures précises. Oui, 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 mais oui, Dieu Votre merci, Majesté. Je me portais mieux. Oui, Votre Majesté. Mais il est déjà 15h. Oh, oui, 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 15h, oui, c'est pas ça. 14h, pas 14h. Je suis au courant et je sais pourquoi vous avez reçu mon message mais refusé de venir. Elle vous menace, n'est-ce pas? Je parle de princesse Ngoma. Elle est venue ici vous menacer.
Mais s'il vous plaît, ne jouez pas des sourds devant moi. Ne faites pas ça. Votre Majesté, c'est vrai. Elle était venue ici et nous a prévenu de nous éloigner de vous. Sinon, nous allions le regretter. Et nous avons peur de venir au palais. Oui, oui, votre Majesté. Mais, mon Dieu, elle n'a aucun droit de faire cela. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé nous de ça? Nous avons peur de venir au palais. Oh, mon Dieu. Votre Majesté, comme vient de le dire mon père, nous protégeons notre vie. Toutes nos excuses pour la désobéissance. Ce n'est pas du tout juste. Elle n'a aucun droit de vous menacer. Elle n'a pas un tel droit. Ok? Écoutez-moi. N'ayez pas peur. Rien ne vous arrivera. Aussi longtemps que je demeure le roi de ce royaume. Ok? Je vais vous protéger. Franchement parlant, votre majesté, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et la fille. Elle était fiancée à vous. Alors je vous conseillerais d'honorer l'engagement à votre majesté. Je vous en prie. Hey! Osiomara Nogbason. Léla. Lalé. Lo. Wa. Je peux comprendre que c'est ton ami. Ma mère, ami, votre majesté. Je sais aussi combien cela t'est difficile pour accomplir ses devoirs. Mais crois-moi, tu seras payé. Je veux dire, 10 millions de naira est vraiment assez pour changer ta vie misérable et puante. Ne les trouves-tu pas? Je ne veux pas prendre votre argent, votre majesté. Alors dis-moi, de quoi est-ce que tu as besoin? Désolée, votre majesté. Je dois dire ceci. Je suis amoureuse du roi. J'aimerais être sa femme. Intéressant. Cela veut dire que nous voulons la même chose. Waouh. Est-ce que ton ami est au courant de ça? Je l'ai dit à maintes reprises combien elle est chanceuse d'être choisie par le roi. Mais je ne sais plus quoi faire, sachant que vous êtes vous aussi dans la même boîte. Ok. Alors, allons droit au but. Je sais combien cela t'est difficile pour tuer ton ami. Je te fais un marché. Tu es ton ami pour moi. Et quand je serai la première femme, et toi tu seras la seconde épouse du roi. Je te promets que je vais faciliter les choses pour toi pour que tu y arrives. Le marché est conclu? Oui, votre majesté. Je suis partante. Parfait. Je suis déçu de vous deux. Garçon, as-tu perdu la tête? As-tu oublié comment t'adresser à un roi? Et qu'est-ce que je suis? Je suis aussi le roi. Vous êtes aussi devenu si désespéré jusqu'à envoyer votre fille à aller menacer une innocente demoiselle? Une innocente demoiselle avec son père? C'est stupide de faire ça, monsieur le roi. Obika, veille à ta langue quand tu nous parles. Nous ne sommes pas de ta classe. Alors, dites à votre fille de me laisser en paix, qu'elle aille chercher celui qui est votre camarade. Qu'elle arrête d'être désespérée. Elle a besoin un peu de respect pour elle-même. Gardez un peu de respect pour elle-même. Veux-tu juste la fermer? Ferme-la et sors de mon palais. Je répondrai à cette stupidité de ta part au moment venu. Chérie, allons-y. Palais, mon œil.
Papa! 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 C'est quoi? Papa! Il a quoi? Il a quoi? Papa! Papa! Les gens me poursuivent! Ils veulent me tuer! Qui sont-ils? Papa, je sais pas! J'étais en route pour la rivière! J'avais entendu un bruit étrange! Et lorsque je me suis retournée, j'ai vu l'un d'eux! J'ai compris qu'on les envoyait pour me tuer! Ma fille, ça va! Personne ne te nuira dans ce village aussi longtemps que je suis vivant. Hein? Rien ne t'arrivera. Hein? Papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Ils ne te feront rien. Aucun mal ne t'arrivera dans ce village. Hein? Tu vois, laisse-moi t'accompagner au marigot pour chercher de l'eau. Papa? Tu vois, il n'y a pas de l'eau dans la maison. Allons-y. Viens. Papa, moi, je ne pars plus là-bas. Suis-moi, suis-moi. Je suis là pour te protéger. Rien ne t'arrivera. Papa, es-tu sûr? Allons-y, rien ne va t'arriver. N'aie pas peur, allons-y. Les anciens de Umunte, les rois Obika, mon garçon, je vous salue tous. Nous vous saluons aussi. Mon père m'a dit, quand il était encore en vie, que un homme qui ne marche pas au même rythme que les autres envoie les esprits dans un trou caché. Vous connaissez tous la tradition concernant les fiançailles. Makano kenu maneguana, aluana dia. C'est la même chose partout dans le village Ibo. Alors c'est pour cette raison que je vous ai fait convoquer aujourd'hui. Pour que vous m'aidiez à parler à votre roi, Obika. Car il a l'air d'avoir oublié ce que la tradition stipule au sujet des fiançailles. Je ne pense pas avoir compris ce que vous racontez, votre majesté. C'est bien, laissez-moi vous en parler davantage. Je parle du fait qu'il a été promis à ma fille. Makoka Karanka. Et ce Kinkochua étant roi, je pense que le moment est propice pour qu'il vienne accomplir la promesse de son défunt père en épousant ma fille. Mais c'est comme si cette pensée ne traverse pas son esprit. Alors je préfère que vous puissiez l'avertir et le conseiller en conséquence. Emengwangwa, Emaro Dachi, la sagesse se trouve dans l'écoute plus que dans le parler. La sagesse dans un sac, seul un homme sage peut en profiter. Ce sont les paroles de nos ancêtres. Elles nous servent de guide durant un long voyage. Et comme une ceinture de sécurité pour un homme devant un drame. Dire ceci, vous m'aviez presque tué. Si j'avais l'intention de te tuer, tu serais déjà mort depuis. Je suis venu en paix. Ça doit sûrement être la meilleure blague du siècle, ça. Parce que tel que je te connais, tu es et ne seras jamais une pacificatrice. Là, je suis surpris. Je
Je ne sais pas pourquoi toi et le reste des gardes, vous me détestez autant. Est-ce parce que je vous discipline? Je ne comprends pas. Comment? Je serai brève avec toi et t'épargner les détails. Je suis venue ici pour te proposer quelque chose qui sera bénéfique pour ta misérable vie. Je vais t'offrir 5 millions de naira. 5? Pourquoi? Pourquoi? Mais figure-toi, Tony, que tu dois travailler pour l'obtenir. Je veux que tu puisses éliminer Amara. Hey. Ainsi que son pauvre et stupide père. Oui, elle te fait confiance. Et tu es la personne la mieux placée pour accomplir sans faille ses devoirs. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dois te laisser. Pense à propos de ça. Assuré que vous l'attraperez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avons essayé. Mais elle a échappé et rentré vers son père. Et on ne pouvait plus la suivre. Nous l'avons vue avec son père, qui l'accompagnait au ruisseau avec une machette. Alors on a arrêté, on ne pouvait plus continuer. Mais c'est parce que tous les deux vous êtes des nuls. Des vrais fous. Je veux dire, comment vous l'avez laissé s'en tirer comme ça? Et je suis sûre qu'elle est allée le dire et se plaindre auprès de son père. Qui sera en ce moment allé voir la police pour porter plainte? Je veux dire, il doit se battre pour sa fille. Et quand la police viendra vers vous, qu'est-ce que vous ferez? Vous lui direz que je suis impliquée dans cette affaire, n'est-ce pas? Je suis sûre que c'est ce que vous ferez. Non, on ne le fera jamais. Bien sûr que vous le ferez. Votre Altesse, je pense qu'elle a besoin de votre protection. Qui? La fille qui chante pour vous ainsi que son père. Vous savez, Votre Majesté, Princesse Ugoma m'a approché aujourd'hui sur mon chemin. Et elle m'a imploré de tuer la fille ainsi que son père en m'offrant 5 millions de naira. Quoi? Oui, Votre Majesté. Vous savez, elle m'avait presque tué aujourd'hui avec sa voiture, avant que je ne remarque sa présence. Votre Majesté, elle est si bête en voulant tuer cette pauvre fille. Je pense qu'elle a besoin de votre aide maintenant. Ce qui veut dire que rien ne va l'arrêter de détruire cette fille et son père? Oui, votre grandeur. C'est vraiment méchant. Vraiment méchant. Tony. Votre Majesté. Va amener là et son père ici tout de suite. Votre Majesté, je vous assure que je suis capable de protéger ma fille. Eh bien, j'ai remarqué ça de la manière dont tu as traité les jeunes hommes qui ont essayé de la violer l'autre fois. Mais... Je n'avais jamais commis le meurtre avant, mais je l'ai fait pour la protéger. Et je donnerai ma vie pour m'assurer que je la protège. Odoigo, tu peux rester dans mon palais avec ta fille. Venez, reste ici avec moi. Vous serez plus protégés. Merci pour votre générosité. Mais les gens parleront. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça t'intéresse? Ça ne m'intéresse pas, moi. Ils vont toujours parler. Mais la chose la plus importante est que vous êtes en sécurité. Je vous comprends. Mais je suis un homme. Je suis un homme. Et je veux prendre soin de ma fille. À moins que ce n'est pas de mon pouvoir de le faire. Votre Majesté, je vous supplie de me permettre d'être un père. Et prendre soin de ma fille.
Je sais que vous aurez pris mon action comme un manque de respect. Je suis désolé. Non. Ça va. Ça va. Tu es un homme brave et j'aime ça. Tu sais, mais... je veux que vous soyez en sécurité. Ok? Je suis juste inquiet. Mais si tu peux gérer les choses, ça va. Soyez toujours en sécurité, ok? Odouego, soyez toujours en sécurité. Nous sommes tous en sécurité. Je la protégerai. Juste. Oh, Makande, on te sera nos basses. Lela. Lali. L'eau. Ouah. Akai, je donnerai ma tête à couper. Qui encore tu seras ma fille? Et comment je le décapiterai. Niaï. Bam. As day comes, night we come. Amogye, qu'est-ce que c'est? Je vais bien. Peu importe le mangue. Les mangues? J'aime les mangues. Comment les sais-tu? Je te connais, c'est pourquoi je t'ai apporté. Merci beaucoup. De rien. Je vais les manger dès que je veux finir à faire ce travail. Sinon, papa va parler. Tu vois, non? Où les as-tu eues? Oh, c'est ma tante qui nous l'avait apporté. C'était tellement beaucoup que je me suis dit que je t'amène quelques-uns. Puisque tu aimes le mangue. Merci beaucoup. J'aime ça. Ok. Et où est ton père? Hey. Tu sais ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis Niel, il m'a violé. Ou... Quoi? Si c'était pas mon père, il l'avait attrapé et l'a tué. Il l'a tué? Oui! Veux-tu jouer? Laisse-moi t'apprendre. Votre Majesté, oui? La princesse est arrivée ici et s'est installée au palais. Princesse Ngoma? Oui, Votre Altesse. Ah, avec la permission de qui? Votre Altesse, elle a dit que son père l'envoie ici pour passer le week-end avec vous. Ah, mon Dieu. Son père l'a envoyé chez moi sans m'appeler? Sans mon consentement? Oui, Votre Altesse. Ceci n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Où est-elle? Elle est dehors, Majesté. Oh, mon Dieu. Laisse-moi appeler son père. Va dehors, j'y arrive. Oui, je l'ai fait. Non, si tu oses, tu verras la face de tes ancêtres. C'est moi qui te parle. Juste ose! N'ose pas me défier! Bêtise! N'importe quoi! Sa Majesté, à qui tu cries au téléphone? N'est-ce pas ces garçons stupides de roi? Me demandant pourquoi j'ai envoyé ma fille chez lui pour le week-end? Me répliquant en me disant qu'il va la foutre en dehors du palais! Qu'il me défie! Qu'il ose me défier! Que je le démets de cette position de roi! Et que je le jette en prison. Sa Majesté. N'importe quoi. Tu sais que je n'étais pas confortable à ta décision de l'envoyer à lui. Je ne veux pas qu'elle apparaisse moindre et désespérée à ses yeux. Ma reine, après tout, c'est toi qui avais tout commencé. Tu voulais à tout prix qu'elle parte lui rendre visite au lieu que ce soit l'inverse. Oui, alors? Il n'osera jamais jeter ma fille en dehors de ce palais. Jamais. S'il ose le faire, en fait, je vais me rassurer qu'il perde sa couronne. Et je le ferai. Ok. C'est bon. Allons à la maison. Allez, c'est bon. Thank you.
Warning, this film and its soundtrack are protected by the international copyright law of the Federal Republic of Nigeria. Unauthorized hiring, reproduction, exhibiting, broadcasting and exportation of this home video is highly prohibited. Be warned. Je ne les ferai même pas en rêve. Je vous ai à l'œil parce que sachez que vous n'aurez jamais une place au sein de ce palais. Oh, Tony, comment tu peux être si audacieux et arrogant? Et pourtant, tu n'es le fils de personne. Alors, pitié. Fille de quelqu'un. J'étais en train de faire quelque chose à l'intérieur avant qu'on me dise que tu m'appelais. Alors fais-moi une faveur de me dire ce pourquoi tu m'as appelé ici. S'il te plaît. Eh ben, tu vois, Tony. C'est au sujet de l'offre que je t'avais fait la fois passée. 5 millions de naira. C'est un gros paquet. Je veux dire, c'est vraiment assez pour changer la vie de tes parents pauvres et misérables. Ne le penses-tu pas? Princesse, ou peu importe comment tu t'appelles. Vous savez, le sens commun, on dit que ce n'est pas commun. Le savez-vous? Oui, le sens commun n'est pas commun. Oui, alors je vous conseille d'utiliser le même argent pour vous acheter un sens commun. Parce que si vous vous rendez compte, vous réaliserez que moi, Tony, je ne ferai jamais votre bordel. Parce que je vous déteste et tout ce qui vous concerne. Comment oses-tu? Et pour votre information, le roi connaît tout ceci. Oui, je lui ai dit. Tony! Reste sur tes gardes. Je vais en finir avec toi, Tony. Je te ferai la peau. Tu auras de mes nouvelles, Tony. Eze, Oudrego. Ouais. Je pense que tu dois quitter ce village maintenant. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ta vie est en danger, ainsi que celle de ta fille. Tu connais
Igwenyeka, ce roi, cet homme est très dangereux. Et il n'acceptera jamais la défaite pour sa fille. Je ne perds de personne ou de quoi que ce soit. Le bandit qui avait attaqué ma fille était Tidebere, pas Igwenyeka ou sa fille. Udwego. Afam. Je ne parle pas à propos de Neka. Je parle à propos de la menace que la fille de Igwenyeka a faite à votre fille. Et tu ne peux pas garder silence. Parce que plus tu gardes silence, plus ta vie sera en danger. Onyeze. Onyeze. Je suis capable de protéger ma fille. Même si ça va me coûter la vie, je suis prêt à le faire. Je la protégerai. Je t'aurais averti. Ouvre tes oreilles. Ne reviens pas ici me dire, je ne te vais rien dire. Sauf d'abord ta vie et celle de ta fille. Maman? Hein? Hey, bonjour. Ma fille. Maman? Bonjour, moi. Comment? Je vais bien, maman. Je suis venue la voir. Qui? Amogé. Elle venait à peine de quitter chez moi. Et elle m'a dit qu'elle avait très mal au ventre. Elle m'avait apporté les mots que tante lui avait emmenés. Amogé? Oui, maman. Amogé a quitté cette maison tôt le matin pour aller couper le bois de chauffage. Jusque maintenant, elle n'est pas encore retournée à la maison. Et personne n'est venu me rendre visite, même pas sa tante. Je n'ai pas un peu de mangue à la maison. Je n'ai même pas encore vu une mangue depuis le matin. Es-tu sûre que c'est Amogé qui est venu te rendre visite? Oui, maman. Hey. Elle venait à peine quitter chez moi. Elle m'avait dit qu'elle venait de la maison. Maintenant que je te parle, je viens à peine de rentrer et je n'ai trouvé aucune personne à la maison. Hey. Ok maman, je pars déjà. Es-tu sûre de ce que tu es en train de dire? Oui maman, je m'en vais alors. Hey. Ok. Mon gamin. Hey. Et ça c'est quoi? Réponds tellement que tu m'avais dit de retourner à mon ami Amara. Je n'ai pas pu le faire. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu essaies de dire par tu n'as pas pu le faire? Tu m'avais promis. Votre Majesté, voici vos mangues. Je ne saurais pas donner à mon ami ces mangues empoisonnées et assister à sa mort. Ce n'est pas chose facile à faire. Ah, je n'arrive pas à le croire. Mais tu avais donné ta promesse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu changé d'avis? Votre Majesté, oui, j'avais promis de le faire. Mais Votre Majesté, même si je suis autant amoureuse du roi, mais je ne peux pas être aussi désespérée jusqu'au point de tuer mon ami. Votre Majesté, non, je n'ai pas ces cœurs. Tu n'as pas seulement choisi de vivre dans la pauvreté pour le reste de ta vie pathétique, mais aussi tu es une femme sans valeur. Dégage de ma vue. Votre Majesté. Que veux-tu ici? Salut bébé. Allez bébé, détends-toi. Je sais que tu en veux. Tu as besoin d'une femme. Arrête ça. Je dis arrête ça. Arrête ça. Peux-tu arrêter? Arrête, écoute. Mais je ne trouve pas ça drôle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez bébé, j'ai envie de toi. Quoi? Peux-tu arrêter ça maintenant? Arrête je ça. Je sais bien que ton cœur dit le contraire. Mais je dis arrête. Tu n'écoutes pas. Idiote. Bêtise. Tu m'as giflé? De n'importe quoi.
Nara, peux-tu venir à l'intérieur pour manger ou bien veux-tu manger ici? Papa, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Oui. Tu n'as pas faim à cause de ce qui est arrivé à ton ami Amoke? Papa, j'ai tant de questions dans ma tête qui demandent de réponses. Pourquoi n'avait-elle pas dit à ses parents qu'elle venait ici? D'où est-ce qu'elle provenait si ce n'était pas dans leur maison? D'où est-ce qu'elle provenait avec les mangues? Et de qui est-ce qu'elle avait eu ces mangues? Pourquoi est-ce qu'elle m'avait menti du lieu où provenaient les mangues? Pourquoi a-t-elle fouillé avec ses mangues? Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas chez elle, hein? J'ai beaucoup de questions, papa. Qui a tué Amoge? À qui a-t-elle fait du mal? Pourquoi était-elle tuée seulement hier? Ou y a quelqu'un qui l'avait envoyée chez moi? Il n'est pas nécessaire de t'accrocher à ces questions, sachant plus précisément que nous n'avons pas les réponses. Quand j'ai appris sa mort, ça m'a attristé. Et je sais que la main de l'ennemi a planifié ça. Papa, j'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de ce village. Et j'ai peur de nos vies. Papa, je pense qu'on doit quitter ce village pour notre bien. Je pense que tu m'as vu en train de regarder la télé avant ton arrivée. Et je suis très sûre que tu m'as bien vu quand j'éteignais la télévision. Ne crois pas que je t'ai pardonné pour ce que tu avais fait hier. Comment c'est très difficile pour toi de savoir que ça ne marche pas? Que nous ne sommes pas compatibles? Si j'étais toi, je serais couvert de honte et je quitterais. T'inquiète pas pour ça, chérie. J'avais perdu ma honte et cela très longtemps. Ah, pas étonnant. Je n'ai plus honte de quoi que ce soit. Je veux dire, il n'y avait que toi et moi. C'est pas comme si tous les palais étaient au courant. Alors pourquoi n'essayes-tu donc pas de saisir cette opportunité? Mon roi, toi, je vais te tuer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Sorcière. As-tu perdu tes bons manières? Tu vas mourir. Tony, je vais te tuer. As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis désolé, mon roi. Pardonnez-moi, mon roi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolé, mon roi. As-tu perdu ta tête ou quoi? Elle mérite de mourir. Elle mérite de mourir, mon roi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon roi, j'étais attaqué par des assassins sur la route. Et l'un des gardes est mort. Quoi? Elle les a envoyés, j'en suis sûr. C'est elle qui l'a fait. Mon roi, elle avait promis de me faire la peau. Et je suis sûr que ce sont les hommes qui l'ont envoyé pour faire ça. J'en suis sûr. Tony, laisse-nous. Mais mon roi, je vais... Ça va, vas-y. Ça va. Juste comme ça? Tu les laisses partir juste comme ça?
Tu étais là pendant que ce pauvre idiot posait ses mains sur moi et tu n'as pas réagi. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai juré qu'il va me le payer. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Il doit payer pour cette abomination. Comment a-t-il pu poser ses sales mains sur moi? Comment a-t-il osé? Je m'en vais les dire à mon père. Je dois les dire à ma mère. Je ne peux pas accepter cela. Maman, tu étais là pendant qu'il faisait et t'as pas réagi. Tout ça, c'est à cause de toi. Je dois les dire à mon père. Maman. Qu'est-ce que c'est? Qui est cette fille? Dieu. Tony! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'on avait un accord. Pourquoi vous n'avez pas pu accomplir cette tâche de rien du tout? Pourquoi? Madame, tel que nous venons de vous le dire, on l'avait! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il nous a échappé. Je suis désolé. Vous avez fait de votre mieux? Vous êtes désolé? Oui, 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 ma princesse. Nous avons essayé, oui, nous avons essayé. S'il vous plaît, ma princesse, épargnez-nous, donnez-nous une seconde chance. Une autre chance? Cette fois-ci, nous n'allons pas. Comment vous n'avez pas pu accomplir cette simple tâche? Cette petite tâche? Vous voulez que je vous donne une autre chance? Vous devez être des idiots. Parce que la police est déjà en train d'enquêter sur cette affaire. Et je ne vais jamais le laisser vous attraper. Ma princesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons quitter la ville maintenant. Maintenant là même. Vous savez quoi? C'est déjà tard. C'est déjà tard parce que la police est déjà sur les coups. Il est en train d'enquêter sur cette affaire. La police? Et tout ça, c'est de votre faute. Et merde. Ma princesse, s'il vous plaît, nous allons quitter la ville maintenant. S'il vous plaît, épargnez nos vies. Quoi? Nous n'allons plus... Les idiots. Allons-y. Désolé que je ne vous ai pas invité ici depuis un moment. J'ai reçu une invitée indésirable. Et ça a été un enfer pour moi. Ça a été une période vraiment maussade pour moi. Mais je suis content qu'elle est partie maintenant. Voilà. Mon roi. Oui. Êtes-vous en train de parler de votre future femme? Non, non, s'il te plaît. Ne parle plus de ça. Et ne l'appelle plus jamais ma femme. Toutes mes excuses, votre majesté. Faites votre travail. Libérez mon esprit. De la haine et du mécontentement. Igwe ni gadio,
Pekem pekem ya. Oba oba. Pekem pekem ya. Oba monoba. Pekem pekem ya. Oba monoba. Pekem pekem ya. Soulager. Ah, tu veux uriner? Mmh, oui, papa. Mmh. Je veux t'attendre, hein? D'accord, j'arrive, hein? Uh-huh. Je t'attends ici, oh. Mmh. D'abord, vous devez me tuer d'abord. Tuez-moi d'abord. Tuez-moi d'abord. Tu n'as pas de raison. Ah, papa! Papa! Viens là. Hé, mec, allons-nous-en. Allons-nous-en. Il est mort. Mec. Allons-nous-en. Allez, vite. Tu dois cesser de pleurer. Ok? Ce qui s'est passé, c'est passé. J'aimerais avoir le pouvoir de protéger ton père. J'aurais fait exactement ça. Ok? Je suis vraiment désolé. C'est un homme gentil. Il est pour moi comme un ami. Un ami qui est pour moi comme un père. Donc, j'aimerais, si c'est que je pourrais le faire, je vais le ramener en vie. Je suis désolé pour ça. C'est délicieux. Tu l'apprécies, n'est-ce pas? C'est très bon. C'est très bon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Exactement. C'est quoi ton... Arrête-moi ça. Tu la fermes. Tous les deux, vous êtes des idiots. Dégage. Oh mon Dieu. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Maman, peux-tu imaginer? Ces idiots que j'ai envoyés pour tuer Amara, ils m'ont dit qu'elle s'est échappée, ils n'ont pas pu. Peux-tu imaginer? Ils ont seulement réussi à tuer son père, mais qu'est-ce que je ferai avec ces pauvres fous? Oh, c'est bien. C'est déjà bon. La mort de son père va l'effrayer et le choquer. Ainsi, elle n'osera plus approcher le palais ou encore le roi. Alors, relaxe-toi.
Maman, c'est pas ça le problème. J'aurais voulu qu'elle meure. Maman, je déteste cette fille. Je la hais. Je la déteste beaucoup. Et cela avec passion. Ah. Ma fille, réjouissons-nous avec cette nourriture délicieuse. Ah. Approche-toi, je te parle. Permettons-lui de faire le deuil de son père, ok? Et permettons à l'atmosphère de s'apaiser avant d'attaquer encore. Mets ça dans ta tête. Obika doit accomplir l'accord que j'ai eu avec son défunt père. Point barre. Tu n'as rien à t'en faire. Il doit... Sois consolé. Mon roi. Oui. Ils étaient venus pour moi. Ils étaient venus pour me tuer. Ils voulaient m'ôter la vie. Papa est mort à ma place. Non, 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 non. Ça va, ça va, ça va. Amara, Amara. Ça va, ok? Sois juste consolé. Cesse de pleurer. Le Tout-Puissant va te consoler. Sois forte, ok? Je vais laisser mon garde du corps tourner ici avec toi. Il sera ton garde de corps personnel, ok? Je vais m'assurer que rien ne t'arrive, ok? Non! Non, je dois mourir, mon roi! T'inquiète pas, Mara. Ah, je ne saurais pas vivre! Non, ça va. Qu'est-ce que la vie sans mon père? Je ne saurais pas vivre sans lui! Cesse de pleurer. Tony. Mon roi. Prends soin d'elle, ok? Ok, mon roi. Prends bien soin d'elle. D'accord, mon roi. Oui. Moi, Ono et le conseil des anciens sont là pour fixer une date pour ton mariage avec la fille de Igwe Onyeka. Je ne pense pas que je suis prêt pour ça. Igwe, souviens-toi que le temps est très essentiel ici. Tu vois, Igwe Onyeka a été très patient et nous l'apprécions pour ça. S'il te plaît, fixons une date. Je dis, je ne pense pas que je suis prêt pour ça maintenant. Que voulez-vous encore? Mais écoutez, mes anciens, il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ceci. Nous pouvons-nous pas le changer? Souviens-toi de ma discussion avec toi, votre majesté. C'est pour cette raison que les cérémonies d'engagement ont été effectuées. Je suis désolé, votre majesté. Vous n'avez pas le choix dans cette affaire. Votre majesté, s'il vous plaît, pour des raisons de paix, s'il vous plaît, faisons ce que le monde attend de nous. Salutations, votre majesté. Salutations, votre majesté. Salut, Amara. Comment vas-tu? Je vais bien, mon roi. D'accord. Ah, mon roi. Je suis là pour faire mon travail d'habitude. Je suis désolé. Pas aujourd'hui. Je vais quelque part rapidement. Ok? Peut-être à mon retour. Donc, tu peux m'attendre, ok? Oui, mon roi.
Moro, est-ce que vous allez bien? Amara, j'irai mieux. On se verra, mon retour, ok? Amara. Oui. Tu es encore ici? Oui, je dois déjà partir. J'ai fait toute une journée ici. Je dois partir, je reviendrai demain. D'accord. Avez-vous essayé de l'appeler au téléphone? Oui, bien sûr. Je l'ai fait, mais il ne répond toujours pas. Ah. Je pense que je dois appeler l'un des gardes avec lequel il est sorti, juste pour être sûr. Mon roi. Mon roi. Chier. Ok, ok, vous pouvez me laisser, je vais continuer. Vous pouvez y aller. Votre majesté. Votre maison, majesté. Où est-ce que nous allons? Bien, c'est votre palais. Vous êtes réveillé? Ouais. Comment es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Mon roi, vous m'aviez demandé de vous attendre hier. Oh. C'était juste pour que vous sortiez pour boire. Oh. Ma tête me fait mal. Désolé, mon roi. Je vais vous prendre quelque chose. Je finis d'abord ici. J'ai vomi. Ah. Je dois avoir bu beaucoup. Mon roi, j'ai été choquée lorsqu'on vous avait emmené la nuit dernière. Qu'est-ce que vous avez poussé à faire cela? J'étais bouleversé. Et j'étais frustré. Mon roi. Tu faisais appel à mon père et moi chaque fois que tu étais dans cet état. Pourquoi avez-vous préféré boire? Je pensais que cela allait me soulager. Oh, mon roi. Tu vois. Tu pouvais bien te sentir avec une très bonne musique. Parce que la musique est une bonne nourriture pour l'âme. Je sais. Mon roi, j'ai une nouvelle chanson pour vous.
spécialement pour ce problème. Salut. Amara, comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que le roi est là? Oui, mais j'ai bien peur que tu ne puisses le voir parce qu'il est malade. Et il m'a demandé d'aller chercher son docteur. Donc, tu devrais partir pour revenir plus tard. Malade? Bon, ok. Tu peux quand même aller à l'intérieur pour le voir. Mais s'il te plaît, ne le dérange surtout pas. Je ne le ferai pas, je promets. Et fais-le rapidement. D'accord, merci. D'accord. Merci. Merci énormément. Allez, calme-toi. Calme-toi. Non, maman, s'il te plaît, arrête ça. Laisse-moi tranquille. Je t'avais parlé de ça. Et tu m'avais dit que les choses allaient changer. Vous m'aviez assuré qu'après cela, les choses allaient s'améliorer. Mais non, il n'est pas là. Es-tu sûre qu'il continue de fréquenter cette fille? Oh, Seigneur. Papa. Papa, s'il te plaît, peux-tu me dire quoi d'autre pour expliquer ce genre de comportement? Papa, ces gars sont fous. Ils ne daignent même pas s'intéresser à moi. Juste à cause de cette chose. Parce que cette vermine est toujours en vie. J'aurais souhaité qu'elle meure. Je la déteste. Je la déteste beaucoup. Ça va. C'est bon. Comme je venais de le dire tantôt, il n'a aucun choix. J'ai parlé à Ono il y a quelques jours passés. Et il m'avait dit qu'ils allaient le rencontrer pour qu'il leur fixe la date de la cérémonie du mariage. Alors calme-toi chérie, j'ai les contrôles. Mon enfant, tu vois pourquoi je t'avais dit d'être relax. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il va t'épouser. Maman, ce n'est pas négociable. Ne me dis pas cela, ça ne peut pas être négociable à ce point. As-tu déjà vu comment il me traite? Comme une sale ordure, c'est comme si je n'ai jamais existé pour lui. À cause de cette fille. Maman, cette fille est devenue mon problème et je suis en train de souffrir à cause de ses problèmes. Je jure devant Dieu. Je vous prie de m'excuser. Je m'en vais. Désolée. Désolée, mon roi. Désolée.
Désolé, mon roi. Désolé. Mon roi, ne pensez-vous pas que vous devez aller à l'hôpital? Mon docteur m'a déjà donné des piqûres. Il a dit que j'irai mieux dans quelques jours. Merci d'être venu, Amara. Tu es toujours là à chaque fois que j'ai besoin de toi. Et tu m'as toujours donné des conseils utiles. Je suis reconnaissant. Merci. Merci, mon roi. Votre bien-être est toujours ma priorité. Sentez-vous bien, car vous avez un royaume à diriger. Mon roi, je dois déjà partir maintenant. Non. S'il te plaît, reste un peu plus longtemps. J'ai tellement développé un attachement pour toi. Et parfois, j'ai le sentiment que tu devrais vivre dans ce palais avec moi. Mais je ne sais pas pour toi. En tant que qui? Comme mon épouse. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mauvais. Mais c'est tout ce à quoi je pouvais penser. Je sais que tu es la seule femme qui pourrait me rendre heureux. Et si quelque chose me donne la joie et la paix, c'est ta musique et toi. Mais vous vous êtes déjà fiancé. Que cela aille en enfer. Je ne peux pas être avec tout ce qui ne peut pas me donner la joie et la paix. Un ami m'a une fois conseillé de rassembler des jolies demoiselles de ce village, les étudier par la suite et choisir une épouse parmi elles. Et je pense que Dieu m'a choisi une. Il me suffit d'ouvrir mes yeux et l'identifier. Amara, je veux que tu sois ma femme. Tu me rends heureux. Donc, je veux que tu continues à me rendre heureux. Pour toujours. Qu'est-ce qui se passe, Rita? J'ai essayé de te joindre au téléphone, mais ça ne passait pas. Tu vas bien? Ma princesse, j'avais voyagé, mais je suis de retour maintenant. Oh, c'est bien, mais est-ce que tout va bien? J'espère que tout va bien. Pas du tout. L'argent est un problème. Oh, ne te dérange pas. Tu sais quoi? Je vais te donner beaucoup plus d'argent cette fois-ci. C'est vrai? Oh! Mais avant tout, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Les anciens du conseil. Je vous salue tous. Je vous ai appelé ici aujourd'hui à propos de la réunion que nous avons eue il y a quelque temps concernant le mariage
de la jeune dame que mon père m'a choisie, j'ai finalement pris ma décision. C'est pourquoi je vous ai convoqué ici. C'est bien. Ça, c'est bien. Alors, quelle date as-tu choisi? J'ai échangé avec Ono ici. Et il a essayé de m'expliquer ce qui a poussé mon père à me faire ce choix. Et comme c'est une question financière, une question qui tourne autour de l'argent, une somme d'argent que mon défunt père, Igwe Obika, premier a emprunté chez Igwe Onyeka, une somme de 50 millions de naira. C'est pourquoi nous avons cette histoire de fiançailles dans ce royaume. N'est-ce pas, Votre Majesté? Igwe Onyeka, Votre Majesté, j'ai pris soin d'établir un chèque de 50 millions de naira pour vous ici. Afin qu'avec ces 50 millions, j'aurai réglé la dette de mon père. Et vous pouvez garder votre fille non maîtrisée et non cultivée pour vous-même. Obika, tu oses m'insulter. Tu oses m'insulter, Obika. Comment? S'il vous plaît, dites-moi, les anciens. Comment je l'ai insulté? Vous avez conclu un accord de 50 millions de naira. Et cet accord est réglé ici même par son fils. Un chèque de 50 millions de naira. Un chèque de 50 millions de naira. Comment je vous ai insulté? S'il vous plaît, confirmez si le chèque est vrai ou pas. Votre Majesté, ceci règle l'affaire de la fiançaille. J'ai choisi la femme que je vais épouser. Et je vais vous annoncer ça, vous mes anciens, très bientôt. C'est bien. Les anciens, je vous salue. Obika. Onyeka. Mwata na abwegu suru gete. Amara na suru gete. Bekumu. Un enfant qui exhibe la danse des esprits est certainement ignorant que la danse des esprits est une danse des morts. Igwe Onyeka, je déteste les proverbes. Je suis le fils du lion. Et le fils du lion est un lion. Donc il faut bien savoir que tu menaces mon père et mes ancêtres. Un geste de gentillesse de la part d'un tigre n'est pas le symbole de la lâcheté. J'espère que tu n'as pas oublié ton argent. Cette peste est toujours en vie. Il fera d'elle sa femme, maman. Tu peux en être sûre. Mais mon enfant, nous ne savons pas de qui il s'agit réellement. Mais pourquoi maman, c'est elle. De quoi est-ce que tu parles? Omina a choisi cette fille à ma place. Cette misérable. Maman, cette fille m'a causé beaucoup de problèmes. Elle m'a causé beaucoup de peine. Ainsi que de l'humiliation. Je la déteste. Allez, mon enfant. Ne t'agite pas comme ça, apaise-toi. Calme-toi. Votre Majesté, est-ce que tu peux faire quelque chose à propos? Maman! Il vient de me remettre l'argent que son père avait emprunté. Et il semble avoir le soutien des anciens. À présent, je n'ai plus de moyens de pression sur lui. Ressaisis-toi. Maman, je souhaite mourir. Je souhaite mourir que de supporter cette humiliation, maman. Comment je suis censé tenir tête aux gens? Maman, tout le monde va commencer à se moquer de moi. Je serai devenu l'objet de moquerie de tout le monde dans cette communauté. Non, maman, laisse-moi mourir. Allez, arrête.
Laisse-moi mourir, mon Dieu. Allez, mon enfant, s'il te plaît, ne te fais pas de mal. Maman, je suis là avec toi. Maman. Je t'apporterai le confort dans la mesure du possible. Ça va aller. Ah oui. Non, elle a dit, laisse-moi te rappeler. Je vais te rappeler tout de suite. Jean Carriga. D'accord. C'est totalement incroyable pour moi, mon roi. Je veux dire que tu as payé la dette de ton père. Tout le monde se demande, comment as-tu pu trouver une telle somme? Hey! J'ai gagné assez via mes affaires en ligne. Mm-hmm. Et j'ai vendu certaines actions. Tu sais, Chima, ma joie et ma paix sont plus importantes pour moi. Aucune somme d'argent ne peut pas me les enlever. Tu sais, j'ai enfin demandé sa mère en mariage. À qui fais-tu référence, mon roi? La femme dont je veux faire mon épouse. Mon amour. La seule que mon cœur a acceptée. Et à qui fais-tu vraiment référence, mon roi? Allez-y droit au but. Amara. C'est celle qui vient ici chanter pour moi et chanter pour mon père. Tu sais, je fouillais un peu partout. J'étais partout dans le monde et je ne savais pas qu'elle était juste à côté de moi. Je te jure, tu as fait un très bon choix. Vraiment? J'ai envie de te serrer dans mes bras. Non. Wow. Ne m'embrasse pas, pardon. J'ai toujours pensé de te proposer cette fille-là, depuis longtemps. Vraiment? Elle est humble, oui, et elle est talentueuse, paisible et très belle. Je pensais pouvoir te la recommander depuis très longtemps, mais je me disais que tu ne l'apprécierais pas, toi. Ah, dis donc, l'amour n'a rien à faire avec la classe sociale. Eh hey, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Hey! Que s'est-il passé? Elle voulait me tuer, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ok, c'est bon, ça va aller. Hey! Pourquoi tout le monde cherche ma mort? Non! Pourquoi tout le monde veut que je meure? Non, allez, calme-toi. Personne ne veut ta mort, et puis l'important actuellement est que tu sois saine et sauve, ok? Comment je peux être bien aussi longtemps que j'ai tué quelqu'un? Comment est-ce que je peux être bien? Allez, Amara, calme-toi, ok? S'il te plaît, tu ne l'as pas tuée. Je veux dire, tu l'as tuée en self-défense. Tu as dit qu'elle était en train de t'étrangler, n'est-ce pas? Tu t'es défendue toi-même. Le roi m'a envoyé de venir te chercher. Donc, nous devons aller au palais maintenant. Ok? Qu'allons-nous faire alors avec le corps? Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ça, ok? Tu sais, le roi a fait une nouvelle déclaration au palais qu'il veut que tu sois saine et sauve. Donc, nous devons partir maintenant. S'il te plaît, viens avec moi. Igwe. Ezibute Nim. Odogu. Tima. Chai. As-tu vu pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas être Igwe? Mais y'a quoi? Chaque jour maintenant, c'est la robe. C'est comme de la malédiction sur moi. Chaque jour, Nyaramburu, regarde-toi. Très simple. Hey! Chaque jour, je dois m'habiller comme une mascarade. C'est une malédiction. Hey! Quoi? Aïe! Mon roi! Tony! Que s'est-il passé? Mon roi! Que s'est-il passé? Mon roi, j'étais attaqué. Où est Amara? Où est-elle? Où est Amara? Mon roi, quand je suis arrivé chez elle, je l'ai vue près d'un cadavre. Hein? Et elle a dit que la personne en question l'avait attaquée et avait essayé de la tuer. Et par self-défense, elle a pris un couteau et l'a poignardé. Oh avec. Mon Dieu! Les dieux de mes ancêtres! Quoi? Oui. Ceci n'est pas vrai. Tu veux dire... Alors, où est-elle maintenant?
Est-ce qu'elle va bien? Parle-moi, Tony. Mon roi, nous étions déjà en train de quitter cet endroit j'étais attaqué par deux hommes armés qui ont tiré sur moi et l'ont kidnappé. Oh mon Dieu, ceci n'est pas vrai. Ceci ne devrait pas arriver. Tony. Mon roi. As-tu vu le visage des hommes en question? Et ils ont pris quelle direction? Parle-moi. Calme-toi, ok? Ok? Nous devons d'abord amener cet homme à l'hôpital. Et aller à la police pour porter plainte contre... Pourquoi dois-je aller à la police quand je sais déjà d'où ça vient? Je sais d'où ça vient. Ok, attendez-moi. Votre Majesté, ne faites pas ça, je vous prie. Attendez-moi. Ils ont des armes avec eux. Ça va aller? Oui, merci. Votre Majesté, ne faites pas ça. Impossible. Je ne permettrai pas ça. Je ne permettrai pas ça. Ça n'arrivera pas tant que je suis encore en vie. Ça n'arrivera pas. Écoute-moi très bien. Où se trouve ta sale, dégoûtante, soi-disant fille? Où se trouve Ogoma? Je dis où est Ogoma? Où es-tu? Viens ici. Du calme, Obika. Je dis du calme. Qui t'a donné l'audace d'entrer dans mon palais et de crier comme un fou? As-tu perdu la tête, mon garçon? Où se trouve Amara? Relâchez-la tout de suite. Je sais que vous êtes avec elle. Qui est-elle? Je dis qui est-elle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous croyez que je ne vais pas le découvrir? Que vous avez kidnappé cette innocente fille. Vous l'avez kidnappée. Et elle est avec vous. Je veux voir son visage. Obika, comment tu peux entrer dans la maison d'autrui et commencer à crier n'importe comment comme un fou? Oh! Vous connaîtrez la folie. Au moment où vous allez refuser de la faire sortir, vous connaîtrez la folie. Vous allez connaître la folie. Et vous vous asseyez. En tant que roi, vous saurez que je suis ici pour vous montrer la fermée. Il n'a absolument rien fait, c'est plutôt toi qui as perdu tes sens. T'as pas le droit d'entrer dans le palais de mon père et te mettre à crier comme un aliéné. Regarde-moi ça. Une dégoûtante princesse. Sale gosse sans vergogne. Ne t'approche plus, jamais, de mon palais. Toi, cette sale gosse. Du calme. Je dis du calme. Mets ça dans ta cervelle. Je ne te laisserai pas insulter ma fille à ma présence. Alors, attendez le pire, Igwe Onyeka. Je suis ici, prêt pour vous. Je ferai sortir de l'argent. Je vais travailler à distance et je dirai au monde entier qui vous êtes. Comment vous avez kidnappé cette petite fille Amara? Si vous ne me la relâchez pas, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'humiliation. Tu dois savoir qu'on n'apprend pas à un vieux singe comment faire de grimaces. Ah, car cela fait partie de sa vie. Je déteste les proverbes. Je déteste un vieux avec des proverbes. Et les proverbes sont des mots. Les proverbes sont des mots pleins de sagesse. Attends-toi au pire. Voyez-moi cet idiot. Donc c'est votre plan? Pitié, tu la fermes. À quoi est-ce que tu t'attendais? Tu t'attendais à ce que je te laisse partir juste comme ça? Après tout le dommage que tu m'as causé? Folle! Je ne sais pas ce que je vous ai vraiment fait. S'il vous plaît, je suis la seule enfant de mes parents qui est en vie. Hein? Je t'en prie, pardonne-moi, hein? Donc tu sais très bien que tu es la seule survivante de ta famille. Mais tu continues quand même à tourner tout autour de mon prétendant. Comment oses-tu? N'est-ce pas que je t'avais promis de rester loin de mon roi? Bien, j'avais tué ton père. Juste pour réveiller ta conscience. Je croyais que tu avais très clairement et très bien compris mon message. Quoi? Donc tu as tué mon père? C'est toi qui avais tué mon père? Comment pouvais-tu? Qu'est-ce que mon père et moi t'avons vraiment fait?
Pourquoi êtes-vous très méchante? Allez, tais-toi! Tu étais allée travailler au palais. Est-ce qu'on t'avait demandé de t'approcher de mon prétendant? Parle-moi de ton travail. Tu étais supposée aller travailler au palais, mais toi tu es allée chercher mon roi. Est-ce que c'était ça ton travail? C'est ton travail qui t'a donné le droit de t'approcher de mon prétendant? Parle-moi de ton travail, pauvre idiote! Je vais te donner la punition que tu mérites, misérable idiote. Tu ne perds rien pour attendre. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ananana. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme-la. Je n'ai pas du tout envie de voir tes larmes. À cause de toi, ton père est mort. Bien, je reviens d'ici là. Je reviendrai avec mes parents. Comme ça, ils verront comment je vais te torturer à mort et cela avec mes propres mains. Folle! Je te déteste! Je te déteste à mort! Tu m'énerves! La fille d'un sorcier! Folle! Papa! Papa! Papa, viens! S'il te plaît! Ne me laisse pas, papa, s'il te plaît, viens! J'ai besoin de toi, papa! Papa, viens me secourir, je t'en prie, papa! Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas! Hé, hey, tais-toi! Avant que je te gifle, idiote! Pourquoi fais-tu des bruits? Si tu oses encore le déranger, tu vas le regretter. N'importe quoi. Je m'appelle Johnson, votre majesté. Que veux-tu? Je suis là pour voir le roi. Je suis là pour vous voir. Votre majesté. Est-ce que tu as déjà pris un rendez-vous avant d'être là? Non, votre majesté. Alors, tu n'as rien à faire dans mon palais? Qu'est-ce qui ne va pas bien ces jours-ci? Vous vous déplacez n'importe comment. Écoute, la prochaine fois que je te vois, par ici, tu seras arrêté. Amenez-le. Votre Majesté, je dois confesser. J'ai une confession à faire, s'il vous plaît. Ramenez-le. Votre Majesté, je dois confesser à propos d'une fille qu'on avait enlevée. S'il vous plaît. J'ai envie de boire de l'eau. Je me sens déshydratée. Bientôt là, ma chère. Bientôt là. Tu vas dormir le sommeil des morts. S'il vous alors, plaît. L'eau n'est pas nécessaire. S'il vous pour plaît. Toi. Je vous en prie, pitié de moi, monsieur. Je suis innocente. Je vous en supplie. S'il vous plaît, pitié. Ferme-la. Ferme ta bouche. Innocente, mon œil. Pendant que tu nous as causé la honte de notre vie,
Tu ne mérites pas de vivre. Tu ne mérites pas de vivre. Idiote. N'importe quoi. Bien, maman, tu t'es déjà servi. Garde ton énergie. Je vais m'occuper de cette affaire. Quant à toi, n'est-ce pas que je t'avais promis quelque chose? S'il vous plaît. Allez. Je t'avais promis que j'allais te donner la meilleure leçon de ta vie, n'est-ce pas? Et que j'allais le faire en présence de mes parents. Parce que je veux qu'ils soient mes témoins, n'est-ce pas, maman? Très bien. Alors... Hey, restez où vous êtes. Personne ne bouge. Plus vous êtes tous en état d'arrestation. Bougez. Et gardez votre silence. Là-bas, allez. Continue.